Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ouvrez le cahier d'activité, page 54 et 96. Où est-ce qu'on prend l'avion? Exercice numéro 1. Est-ce que vous partez en voyage? Alors, mais avant de répondre à la question, on regarde ensemble cette vidéo pour vous rappeler par les mots d'interrogation. Et après, on écoute l'exercice pour répondre à la question. Cette fiche est de voir et à rendre le jeudi. Alors, regardons la vidéo. Ils partent en Espagne, au Canada, au Vietnam. B. Écoute et numérote dans l'ordre les moyens de transport. Alors, écoutons. Et 6. Leçon 3. Activité 1. Est-ce que vous partez en voyage? Oui, nous partons à Québec, au Canada. Oh, c'est un long voyage! Oh oui, c'est un très long voyage. D'abord, nous allons aller à la gare en bus. Puis, nous allons prendre le train jusqu'à l'aéroport. Ensuite, nous allons prendre l'avion. Et enfin, à l'aéroport de Québec, nous allons prendre un taxi pour aller à l'hôtel. On écoute encore une fois. Unité 6, leçon 3, activité 1. Est-ce que vous partez en voyage? Oui, nous partons à Québec, au Canada. Oh, c'est un long voyage! Oh oui, c'est un très long voyage. D'abord, nous allons aller à la gare en bus. Puis, nous allons prendre le train jusqu'à l'aéroport. Ensuite, nous allons prendre l'avion. Et enfin, à l'aéroport de Québec, nous allons prendre un taxi pour aller à l'hôtel. Alors, et maintenant, question numéro C, relie chaque question à la réponse. 1. Est-ce qu'on prend l'avion?
ou le bateau pour aller à la Réunion. 2. Où est-ce qu'on prend l'avion? 3. Comment est-ce qu'on va à l'aéroport? 4. À quelle heure est-ce que l'avion décolle? 5. Est-ce qu'on va manger dans l'avion? On voit les réponses. Oui, on va manger et on va regarder des films. À 17h25. On prend l'avion à l'aéroport de Charles de Gaulle. En train, il y a une gare dans l'aéroport. Merci et à la prochaine fois.